du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai fermé vos micros parce que le seul Jésus peut parler pendant ce podcast. Et non, je ne suis pas Jésus, je suis la parole de Dieu. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Amen. 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 Préparez-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Amen. Coupe pas Dieu, Chris. Hey! Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Moi, ça. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Amen. Le Seigneur, notre Amen. Dieu. Que... Oh, Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse bien, par exemple. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Donne-moi la force Amen. De continuer à ne pas boire, Jésus. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. 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 Non, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria! Gloria! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour toute immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, du Dieu du Père, tout le puissant, Seigneur Fils, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, à nous de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui assieds à la droite du Père, prends pitié de nous. Pour le Dieu, pour le Père, pour le Dieu, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit de la gloire de Dieu et le Père. Amen. Prions au Dieu et pour la chirurgie. Pouvons-nous prier pour la SPCA? Et pour la chirurgie du siècle. Amen. Amen. Le C dans la SPCA, est-ce que c'est chrétien? Oui, c'est christianisme. Ok, oui. Parfait, parfait. C'est bon, dans ce que l'on peut, je pense qu'on peut. Oh oui. C'est chrétien, c'est alors, sacré, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Alors, pour faire prouesse à Dieu, je pensais qu'on aurait pu lui faire hommage en faisant des chroniques cette semaine qui faisaient parler Dieu en un sens que nous combinerons, vous voyez ce que je veux dire? Converserons. Allô? Conversation. Téléphone. Maison, Dieu qui m'appelle. Bonjour, mademoiselle. Fait qu'on continuons pour faire hommage à Dieu avec des chroniques faisant parler le christianisme. Et j'ai un accent français pour aucune raison. À Jésus, bon. Calice! À Jésus! Hey, wow. Oh, je m'excuse. Okay. Hey, ouais. Calique! Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, on se barre le casse dans le passé. Puis je pense que c'est pour ça. C'est dans la rédemption, je pense. C'est pour ça que on se barre le casse n'existe plus. C'est fini. Ça a été fermé. Ouais. Ça a été fermé, oui. C'est on l'a rebaptisé. On a mis la hache là-dedans. La main de Dieu, mm-hmm. On se christianiste le bonnet. Ouais. Loin des impuretés. On a fait tout brûler le merch avec la belle alcool que j'ai acheté, puis j'ai tout crissé ça en feu parce que ça fait tellement du bien. Amen. Ouais. Non, ça fait du bien d'être délivré enfin de ce démon. Ouais. C'est quoi tu bois, Marco? C'est un Bloody Caesar? Non, c'est le sang du Christ. C'est Virgin, ouais. C'est Virgin? Ah, ouais, c'est un Bloody Mary. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. OK. Mm-hmm. OK. Alors, c'est un Virgin Mary. Qui voudrait partir okay, en non, premier c'est correct. Pour pouvoir parler, faire hommage à Dieu? Moi, je veux. Amen. Oh, Jésus! Alors, Jésus, fils de Wallet, c'est à toi. Je te donne la parole de Dieu. La balle est dans ton camp. C'est beaucoup de pression, mais j'espère vraiment que Dieu va me supporter dans cette tâche qui se trouve être vraiment lourde et stressante pour moi. Oui. Je voudrais commencer en disant que je pense que notre société est en danger. Le christianisme est en train de disparaître de nos cœurs. Je sais, j'ai vu ça pour ces moussies. Ouais, moi aussi. Les rings de lutte dans les églises. Tabarnak. Aucun respect pour le Seigneur. Excusez mon langage. Pardonnez-moi, Jésus. Mais non, écoutez, ça va pas bien. Les églises se vident. Les gens vont plus à confesse. Les gens, ça pêche. Ça a des sexes dans leurs autos avant le mariage. Ça se fout dans le cul, si ça a l'air à ça. Wow. Dieu le rende. C'est ça qu'il disait.
bande de sodomites. Oui, oui. C'est incroyable, ça me fait peur, ça me brise le cœur de voir toutes ces âmes-là se diriger tout droit vers l'enfer. Fait que je voulais venir devant vous puis pointer, je pense, les principaux problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis c'est vraiment important d'y remédier parce que sinon, on va tous mourir en d'atroces souffrances puis brûler en affaires pour toujours. Parce que Dieu nous aime. Dieu est bon. Oui. Dieu est miséricorde. Dieu, oui. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu va nous pardonner. Dieu colle. Sauf colle tout que. Ouais. ça fait presque mal. Dieu aime tous ses enfants sous toutes ses formes. Oh, sous toutes leurs formes. Sauf c'est ceux qui ont des bras bizarres et qui sont dans des chaises roulantes. Ça, ils aiment. Non, ça, ils aiment pas, je pense. Non, ils aiment pas. Je pense qu'ils aiment tout. Ben non. Ben je sais pas. Ben c'est écrit dans la Bible, c'est une plaie pour la société et ouais. Ils sont inutiles. Ouais, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ouais, il est tué. Ok, d'abord, ça ferait quand même du sens. Juste à côté du bout, tu te comptes dessus parce que t'as du linge de différents tissus. Ouais, ouais. Je pense que c'est dans le même verset. C'est ça, c'est dans le même verset. Oui, c'est dans le même verset qui adresse tous les interdits. Parfait, parfait. Ben parlant d'interdits, ok, il y a un gros interdit qui nous fait mal à toute la société en ce moment. Puis ouais. J'appelle ça la laïcité. Monsieur François Legault veut passer des lois pour la laïcité en ce moment, puis je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que ça cherche vraiment à effacer la religion catholique de l'espace public, puis ça, c'est vraiment épeurant. Les gens oublient qu'on est une société chrétienne, puis qu'on était avant tout des colons chrétiens quand on est venu ici voler des terres à d'autres gens qui n'avaient pas la même religion que nous autres. On l'a fait au nom de Jésus, puis c'est important de ne pas l'oublier. Ben oui, ça vient chez nous, ça garde ses bottes, puis ça calisse, dans le fond. Hey. Colline, excusez-moi les gars, c'est assez frais comme c'est ça. Pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, non, mais c'est correct. Ah, attends, ta conversion. Ça semble que ça sent boisson, par exemple. Non, c'est virgin, t'as le dit. OK. Ouais. Moi, je peux le croire. Dieu te pardonne, mon fils. Moi, c'est du café décaféiné. J'ai pas pris de chance. Je sais pas si ça compte comme une drogue, mais à cette heure, j'ai coupé ça aussi. Non, je pense pas. Moi, je bois de l'eau depuis une semaine. Ouais, non, moi, je bois de l'eau qui a touché à un prêtre. Ah! Je bois absolument que ça ait touché à un prêtre, sinon je le bois pas. OK. L'eau, OK. Oui, 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 okay. Exactement. Ouais. Mais écoutez, pour en venir à nos problèmes qu'on a en ce moment, un des premiers signes que la laïcité fait déjà des dommages, c'est que, écoutez, ils veulent que les femmes voilées en public se soient rendues interdites, sauf que ça... Tu sais... J'ai rien contre le fait qu'on oppresse les gens d'autres confessions, là, mais ça passe complètement à côté du problème. Puis le vrai problème, c'est qu'est-ce que les femmes font en public? C'est supposé d'être à la maison, ça. Le petit Jésus serait jamais d'accord avec ça. Absolument, puis, c'est vrai. Les c'est madames vrai, c'est vrai. Se promènent, puis sortent de la maison, puis aillent genre acheter des affaires avec de l'argent. Des dildos. Sans leur mari. Ouais. Puis que ça aille des comptes de banque, puis comme des un permis de conduire. Ouais, c'est ça. Ils s'achètent des affaires qui se mettent dans le trou de cul. Hein? C'est là que ça va. Écoutez, je voulais pas le dire, là, mais moi, je suis allé sur l'île de Montréal récemment. Et écoutez, les choses dont j'ai été témoin là-bas, c'est épeurant. C'est la ville de Sodome. Sodome, je pense que Dieu est sur le bord de la ramener, Sodome, pour qu'on puisse déménager le monde qui sont pas trop pires à Montréal, puis peut-être espérer les sauver. Mais la grande majorité des gens là-bas sont indéniablement irrécupérables. Ouais, j'ai vu un couple de tapettes l'autre jour. J'ai capoté. Ouais, c'est vraiment pas selon. Non, c'est pas selon l'apprentissage de notre père. C'est inacceptable. C'est pas normal. Mais écoutez-le. C'est le monde, je marchais dans la rue, puis le monde, ça fume des potes en pleine rue. Pleine rue, man. C'est incroyable. Ça me fait capoter. C'est dégueulasse. Puis après ça, on s'en va à la ville de Québec. Le monde dit, à Québec, c'est moins pire. À Québec, le monde, sont blancs. Ça va encore bien à Québec. On n'a pas de problème là-bas. Mais écoute, à Québec, là, savez-vous ce qu'ils ont fait récemment? Ils sont allés à l'Assemblée nationale, puis ils ont retiré le crucifix. Ah ben, t'as parfait ça. Excusez-moi, père. Ça a sorti tout seul. Ils ont fait ça. Je te gâche avec nos taxes qui ont fait ça aussi. Est-ce? Oui, ils ont probablement payé. Ils brûleront leur terre. Les taxes de Dieu. Non. C'est moi, écoutez, j'aurais pas de problème si on enlevait le crucifix comme ça, si c'était pour le remplacer par une reproduction physique
à chaque matin, à chaque ouverture de l'assemblée de la crucifixion de Jésus, et ce, avec des acteurs que l'on sacrifierait à chaque fois, j'aurais pas de problème avec ça, parce que ça reste quand même légèrement proche de notre héritage chrétien. On pourrait aller poser une Bible, sinon, à la place. Ça fait un job pareil. Moi, je serais content. Moi, je pense qu'on devrait simplement retirer le code civil québécois et le remplacer par la Bible. Oui. C'est déjà écrit, c'est déjà parfait. On n'aurait plus besoin de gens à l'Assemblée nationale pour voter des nouvelles lois, parce que toutes les lois dont on a besoin sont dans la Bible déjà. On devrait peut-être abolir tout ce qui a une forme phallique. Les pogo, les popsicles, les sous-marins. Les bananes. Les bananes. Mais on peut-tu les manger si on les broie? Les fusées. On peut les manger s'ils sont broyés et que leur forme phallique soit détruite en même temps. Est-ce que les femmes peuvent en manger? Les femmes, non. Non plus. Okay. Ni les hommes, surtout les hommes, parce qu'on ne voudrait pas des gays. Mais non, effectivement, il faudrait des... Ça, les gratte-ciels, c'est quoi les gratte-ciels? Y a-tu quelque chose de plus phallique puis imposant qu'un gratte-ciel? Il faut mettre ça à terre. Ah oui. Écoutez. Amen. En 2001, les gens essayaient de nous avertir. Ben oui. Ils l'avaient vu venir, eux autres, dans leur pays. Il y aurait une solution. On pourrait faire des gratte-ciels, mais dans le sous-sol. Ah, qui creuse. En dessous. Des bunkers inversés. Inversés. Un beau bungalow sur le top, puis en dessous, une ville. Ça devient des vagins du capitaliste. Du capitalisme, en fait. Le vagin de Dieu. Ça creuse dans le sol et on peut y entrer. Oui. Ouais, mais c'est pas capitaliste, chaque étage, c'est une église. Oh my God, Jésus, bingo. C'est comme la tour de... C'est la tour de Babel inversée, en fait. C'est parfait, j'aime ça. Puis dans chaque pièce, on met des caméras pour surveiller les gens puis attraper tous leurs péchés. Ouais. Puis une fois qu'on attrape les gens avec leurs péchés, on les met plus creux dans le gratte-ciel inversé, pour les envoyer où est-ce que c'est noir. L'enfer. Puis ça pue. Puis c'est fret. L'enfer des gratte-ciels. C'est les conduits des toilettes qui vont toutes là, puis une manée snake dans la merde. Oui, exactement. Ça, c'est le futur dont je rêve. Écoutez, ça va être bien important, entre autres, dans ce futur-là, d'éliminer une autre affaire qui est assez grave. On l'a mentionné, on l'a effleuré rapidement, là. Ouais. Mais... Oui. Les gens non binaires, là, je m'excuse. Les gens qui veulent élever leurs enfants comme des babies avec pas de pronom. Jésus, va falloir que ça arrête, là, parce que écoute, ça cause plein de problèmes vraiment importants. De un, là, les prêtres dans les églises, là, comment ils sont supposés savoir que c'est un petit gosse, que c'est une petite fille? Ben, c'est ça. Ils amènent ça en arrière pour leur faire leur montrer le derrière de l'église, puis comment que ça fonctionne, c'est ça. Jésus, puis leur faire découvrir la vraie foi. Ils nous envoient en arrière pour boire son eau de prêtre. Ça leur baisse les culottes pour s'assurer que c'est bien peu, tous ces enfants-là. Puis ben Chris, pas un petit gosse, c'est une petite fille. Ben oui. Qu'est-ce que le prêtre est supposé faire? C'est ça. Ben là, il va être déçu au minimum, là. Ben là, Jésus va être déçu. Jésus va être déçu, certain. Ben oui, parce que les enfants élus, c'est tous des garçons, là. Non, mais écoute, on peut pas montrer les derrières de les prêtres peuvent pas commencer à montrer le derrière de l'église comme ça aux petites filles. Ça n'a pas d'allure. Non. C'est une affaire de boys, ça, là. Écoute, ça fait partie de la formation et de l'éducation des petits garçons. Oui, il y a une lotion spéciale qu'il met sur ses mains pour sentir les parties génitales. Voir s'ils sont purs, d'ailleurs. C'est un peu l'eau bénite qu'ils mettent sur les mains, mais sur les portes. C'est de l'eau bénite qui glisse. C'est plus épais, puis ça glisse. Ouais. C'est comme les sprays, les ultraviolettes qui mettent ses couvertes de motel. Ouais. Je me suis fait crosser par un prêtre quand j'étais petit. T'étais-tu petit ou t'étais vraiment plein et rempli de la gloire de Dieu? Ben, j'ai grandi de cette expérience-là. Oui, absolument. Jésus t'a montré les belles valeurs. Oui. Jésus est entré en toi. Je suis venu sur son sac. Ouais. Le sac de Jésus? Non, du prêtre. Mais symboliquement, le sac de Jésus. Oh oui. C'est symboliquement le sac de Jésus. C'est ce qu'il m'a dit, d'ailleurs. Est-ce qu'il t'a dit que c'est un secret aussi? Moi, on m'a dit que c'est un secret, puis de pas en parler. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas se parler de ça. C'est entre toi et le prêtre. Non, mais c'est entre toi et le prêtre. C'est un secret. Ben, je veux dire, le monde ne comprendrait pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il a fait ça. Ouais. Il était bandé. Ouais.
Écoute, il était bien plein de la gloire de Dieu. Mais oui. Il partage avec quelqu'un. Ah, ben là, il y avait beaucoup de défouler des Je me rappelle qu'il y avait quand même beaucoup d'autres prêtres. Beaucoup. C'était la sang de Dieu. Écoute, parce que Dieu est tellement glorieux. Ouais, c'est l'or blanc, ça, mon chum. Oui. Écoutez, parlant de la gloire de Dieu, là, il y a un dernier gros problème auquel il faut qu'on s'adresse. Oui. Puis, je l'ai appelé Fortnite. Écoutez, les jeunes aujourd'hui, ça joue à Fortnite. Mais c'est des petits cartoons, puis c'est addictif. Mm-hmm. Les jeunes, ça joue à ça sans arrêt. Ça tue, puis tout. Là. Ça fait du sport, ça fait plus de sport, ça fait plus d'exercice physique. Ça fait du Fortnite. Comment que ces jeunes-là sont supposés, après ça, mettre des armures puis reconquérir Jérusalem des païens? Mm-hmm. Est-ce que c'est même plus capable de se lever du divan? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis en plus, c'est même pas des bons graphiques. Ça n'a pas de l'air des vrais humains. C'est de la violence de cartoon. Au moins dans mon temps, là, on avait Call of Duty. Puis Call of Duty, dans chaque jeu, on tuait des gens de couleur. Ça les déshumanisait pour nous. Amen. Puis ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on déteste notre prochain, puis il veut surtout qu'on soit prêt à le détruire pour reconquérir la Terre 5. Oui, on dirait que je suis beaucoup plus raciste depuis que j'ai embarqué dans ce projet-là, moi. Oui, c'est vrai, moi aussi, je le sens. Hein? Oui, je le sens. Il y a beaucoup de haine qui s'accumule. Je sais. Ouais. Non, mais c'est pas de la haine, c'est un sentiment de devoir envers Dieu. Oui, et de dominance aussi envers certains. C'est vrai. On peut le voir comme ça, dans le fond. Oui. C'est vrai. Je vais le dire aux prochaines personnes que je... Oui, non, s'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça, il faut que tu leur expliques clairement que la gloire de Dieu passe à travers la colonisation et la conversion de gens dans des terres étrangères. Ah oui. On les amène ici, on les fait bâtir des belles pyramides, puis ça, ciao, bye. Pyramide, attention, là, c'est presque phallique une pyramide. Je suis pas sûr qu'on a le droit. Mais c'est triangulaire, par exemple. Hein? C'est vrai. C'est triangulaire. C'est comme un cône anal. Ouais. Inversé. Les pyramides sont autorisées. OK. Juste si c'est pas un angle plus grand que 45 degrés entre le mur et le sol. Ça prend une base élargie. Non? Ouais, il faut que ce soit genre les pyramides déguisées. Une base large. OK. Mais le Burj Khalifa, non. Un grand bâtiment païen, ça n'a pas d'allure. Les cônes pour la construction, est-ce qu'on les garde, ça? Non, déliter ça. On va mettre des carrés, genre des blocs de ciment. Juste des panneaux stop partout. Célébrer la gloire du Christ, continue. Mais un stop peut avoir l'air aussi d'une forme phallique, c'est un poteau avec le bout qui est plus gros. Coudon, tu vois donc bien des phallus partout. Je suis pas gay, esti, de quoi tu parles? Toi, t'es gay? J'ai jamais dit ça. C'est ça, t'as jamais dit ça. J'ai jamais dit ça partout. Non, c'est pas ça qu'on disait, Marco. Personne n'a dit que t'étais gay. De Dieu. Fais attention à toi. Je sais que je suis pas gay, je dis de toute façon. Personne a dit que t'étais gay. Je l'ai vu dans tes yeux que tu parles. Je le saurais. Ok, je le saurais. Si j'étais gay. Okay. Oui, c'est beau, t'es non, pas gay. Beau, non, je suis pas gay. Non, puis on sait que t'es agressif comme quand tu bois. T'es-tu sûr que c'est un gay? Il y a pas d'alcool là-dedans, je te dis. Ok, c'est correct. De toute façon, on sait que t'es pas gay parce que si t'étais gay, Dieu te détesterait puis nous aurait fait signe qu'il faudrait qu'on taillisse. Ouais, il nous ferait signe qu'il faudrait arrêter cet épisode-là tout de suite. On n'agresserait pas ça, continuer. Voyons donc. Dieu, il est partout puis il est tout puissant. Puis miséricorde aussi, ça c'est le terme que j'ai appris. Oui, exact. Ouais. Miséricorde. Oui, surtout il pardonne tout le monde. Il pardonne vraiment tout le monde pour tout. Sauf le meurtre et le viol. Le viol, l'homosexualité, ça c'est impardonnable. Ah, le viol, c'est pas une grosse affaire. Même au crime civil, là, c'est deux. Ça arrive partout, mais oui. Fait que moi j'ai beau dire, ça arrive en Afghanistan, c'est bien correct. Qu'est-ce que ça arrive en Afghanistan. Afghanistan, on sait que c'est le pays de Dieu. Ils n'ont pas été éclairés par la grande gloire de Jésus-Christ là-bas. C'était la fin de ma liste de mes gros problèmes. J'invite tout le monde à partager. J'invite les gens à nous écrire parce que je pense que c'est important qu'on se reprenne en tant que société. Oui. Écoutez, là, c'est... L'heure est grave. Ouais, merci beaucoup, Justin, pour... Ouais. Mais tu vas où, Marco? Un Bloody Virgin. Tu vas te payer un... Virgin un drink? Non. OK, pas d'alcool? Non. Non, pas d'alcool, hein? OK, excusez-moi, je vais... Dans le fond, je vais... Ben, attends.
Est-ce que... Juste à faire mes prières. Merci, Justin, pour ça la foi. Plaisir. Merci pour ta détermination. Je crois qu'on a quelque chose à apprendre de ça. C'est que chaque personne qui écoute le podcast pourrait... C'est quoi ça? Un sac brun, c'est quoi ça? Ça, ben c'est... Non, c'est, tu sais, les... Non, c'est le liqueur, tu sais, les... celles au popsicle orange. OK. Les Stewart. C'est ça que c'est. Dans un sac. Tu voulais dans un sac frais? Brun? Ouais, il y a de la glace dans le sac. T'as pas peur que ça perce? Non. J'aimerais prendre ce moment pour pouvoir remercier le monde qui ont donné à la quête. Merci Yann Tivierge, Gab Vio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curalo, Joanie Morin, un nouveau donneur. Mais nouveau. Qui donc? Célébrons la gloire du Christ. C'est l'élu. Xavier Bonneau-Terrien. Xavier Bonneau, c'est quasiment Bonnet. Ouh. Bonnet. Hein? Ben merci d'avoir participé à la quête. Oui. Merci mon frère. Jésus, Jésus va te le redonner 1000 fois. Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribeau, Mathieu Bélanger, Nathaniel, Sam Bombardier, Sam Francard, Yves Le Tourneau et Marco Lalonde. Yeah. Amen. Je voulais juste dire à Xavier, merci à tous. Merci, puis surtout, là, ne subis pas la tentation de sucer un homme. Non. Non, parce que c'est dur. Ça a dégueulassé. C'est ça. C'est impardonnable aux yeux de Dieu. Alors, sauf Philippe, s'il te plaît, si tu pourrais prendre le stand. Oui, absolument. Ça fait plaisir, ça va faire plaisir. Pour démontrer ta foi en Dieu. Oui, bien, je suis toujours dans mes chroniques de croissance personnelle puis tout ça. Là, j'espère que... Là, je sais que vous allez être fâchés. Parce que je me suis aventuré dans un terrain qui est inconnu aux yeux de Dieu. Puis j'espère que ça va être correct. Vous allez voir, là, c'est pas si pire. En fait, je sais que c'est pas chrétien, là, puis tout ça. Parce que là, la semaine passée, j'avais essayé le bouddhisme un peu. Puis ça a pas marché. Fait que cette semaine, j'ai essayé Jésus, un autre type de rite, un peu différent. C'est des rites païens, mais... Hein? Quoi? Ben, je veux dire, ça va être correct. Ben oui, ça va être correct. Non, c'est pas... correct. T'as à peu près 5 minutes d'ici à ce que je revienne de chercher du gaz. OK. C'est pas long. OK, ouais. Parfait. OK, donc, ce que j'ai choisi cette semaine pour m'aider à continuer d'arrêter de boire, parce que là, la semaine passée, j'ai fumé un botch. J'en ai déplié un à côté du métro, je l'ai fumé. Puis j'étais bien, fait que je veux pas retomber là-dedans. Ah oui. Fait que j'ai choisi cette semaine le vaudou. Le vaudou chrétien, ce calice. Ben, je sais, c'est pas grave, mais je vais juste vous montrer. Vous pourriez au moins avoir l'esprit ouvert de juste essayer, OK? D'ailleurs, j'aime beaucoup ta musique, Matt, mais j'avais une musique de tradition à mettre parce que tous les enfants de Dieu sont égaux aux yeux de Dieu, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Il n'y a personne qui dit ça. Il y a des gens qui disent ça. Surtout pas le père. Okay? Il y a des gens qui disent ça. Qui? Ouais, moi, des gens excommuniés, tu veux dire? Non, je crois en Dieu, mais je voulais essayer le vaudou. OK? Ouais. Fait que là, je vais juste mettre ma crise de musique africaine, ça va bien aller. Voilà. On change un peu d'ambiance. Mm-hmm. Donc, trop la noir. Technique que j'utilise, puis là, je sais que vous allez être fâchés parce que c'est un peu bizarre. Cette semaine, c'est je voulais faire le rituel de changement d'âme avec vous. OK? Parce que dans le fond, mon âme, lui, se bat contre moi constamment et m'amène vers des décisions qui sont mauvaises pour moi. Donc, ce que j'ai essayé, c'est un peu d'ouverture d'esprit. Là. Vous allez voir, là, ça va bien aller. Donc, première des choses, évidemment, de la musique de tradition. Donc là, on a notre musique de tradition. J'ai 3 chandelles de couleurs différentes, OK? Chacune des chandelles représente un esprit. Tu veux-tu mettre la lumière avec ton couleur de chakra? Dans le mauve, oui, s'il vous plaît. Okay. La couleur mauve pour le chakra à Philippe. OK, j'allume les 3 chandelles. Chance que c'est la couleur des toges des prêtres à l'église, parce que sinon j'aurais collé. Ouais, ben... Péché là-dessus. Il n'y a pas de péché. On essaye des affaires pour s'aider. Ouais. Moi, je pense pas que ça va marcher, ton affaire. Hey! Ça va marcher. fait que là, j'ai mes 3 chandelles. Le bleu, évidemment, représente l'élément de l'eau. Le blanc, le vent. Et le rose,
Fait que j'ai... Pour ce faire, avec le voodoo, évidemment, ça prend une poupée voodoo. En fait, c'est vraiment quelque chose de stéréotype parce que les gens utilisent toujours la poupée. Moi, je trouve que ça fait pas assez 2019. Il faut se revamper. Ce que j'ai choisi, c'est une figurine de Space War qui vole sans scrupule Star Wars. Là, mais, oui, oui. Mais, le gars, on dirait Darth Vader. C'est pas... Space War. C'est Darth... Bader, celui-là. Darth Bader. Ouais. Non. C'est Boba Fett avec une cape, le pauvre. Ah ouais. Ben là, oui, un peu. Mais, ben oui, un peu, oui. Lui, OK. Mais là, juste pour vous faire plaisir, parce que là, je sais qu'il y a un arme à feu. Il y a un arme à feu, d'ailleurs, qui se met comme ça. T'as vu, j'ai du fun, juste... Est-ce que c'est pas grave? Je l'enlève parce que je trouve non, que. Non, c'est pas chrétien. Tu veux pas que ça marche, Phil? Non, les armes à feu, c'est très chrétien. Ça a été inventé en Europe, OK, par toutes les nations chrétiennes. Okay. Je vais y mettre. Qui l'ont propagé à travers le monde en même temps. Si tu veux que ça marche, il faut que tu prends le fusil, Phil. OK, fait que là, premièrement, ça, c'est ma figurine ici, OK? D'ailleurs, la raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est que je suis allé à la boutique ésotérique. Puis la madame n'était pas là, il y avait juste son mari. C'était Roger. J'y ai demandé à Roger s'il n'y avait pas quelque chose de vaudou. Il m'a dit « Non, mais anyway, n'importe qui peut faire du vaudou. » Fait que c'est lui qui m'a un petit peu... OK, aucun respect pour le vaudou de la part de Roger. Ben non, là. Il m'a dit « Vas-y, à la bonne franquette, là. » Roger, c'est un vrai. Il connaissait pas grand-chose, Roger, mais il se mate. Il était chaud. Fait que c'est ça. Fait que là, premièrement, là, j'ai mes chandelles qui représentent les trois éléments. Là, après ça, j'ai ma poupée vaudou. Et maintenant, c'est le rite de passation. OK? Donc, je commence, je regarde ma figurine dans les yeux comme ça. Là, je la regarde. Pas d'yeux, ta figurine. Puis là, je c'est lui... C'est Boba Fett, ta figurine. C'est comme si nos âmes... Arrête. Hey. C'est sérieux, si... là. On est en train de regarder Phil se diriger à pleine vitesse vers l'enfer. Je m'en vais pas vers l'enfer. Je m'en vais pas vers l'enfer. Il s'en va en enfer. Je vais juste essayer de quoi, OK? Bon. Ouais. Fait que là, je regarde ma... Là, c'est comme si mon âme faisait l'amour à la figurine de Boba Fett. Avant, parce que sinon, je pense que c'est péché. Non, OK, on se fera pas l'ité. Veux-tu m'écouter? J'écoute, justement. Je fais attention à ce que tu dis. Fais attention, Dieu nous regarde. Fait que là, je la regarde. Je la regarde dans les yeux. Puis là, de même. Puis là, je l'approche. Comme ça. Puis là, je donne un bec. Ça goûtait du bon? Ça goûtait le plastique. Puis à cette heure, il faut que... En fait, c'est avec la laine que mon âme s'emprisonne dedans, OK? Moi, ce que je veux, en fait, c'est premièrement tuer mon âme à travers la figurine, l'emprisonner dedans pour la purifier. Tous les démons de mon âme seront purifiés avec ce rite, OK? Donc, je commence. Là, je la prends, puis j'ai... Est-ce que là, on sent ton âme jusqu'ici? Ah, je suis désolé. Fait que là, elle est prête. Là, je l'ai pris. Puis là, évidemment, c'est pas un rite qui est très long en réalité. Là, avec ça, là mon âme... mon âme et tous mes péchés sont dans la figurine et maintenant je lui offre son dernier repos, son tombeau ultime qui est dans un poulet. Tabarnak, c'est un poulet pour vrai. Fait que là maintenant j'ai mon poulet ici. Là, tu le pognes comme ça, puis là, tu peux... Tu sais, tu l'écartilles un peu comme ça. Là, tu... Des petites claques. Là, tu lui dis, je m'en viens! Comme ça. Là, il faut que tu élargisses l'orifice comme ça. Faut que tu le dilates comme il faut avec ton poing. Hey, mon Jésus, il aime ça, ce que tu fais en ce moment. Ouais, il capote, pour vrai. Là, tu peux te cracher ses jointures aussi, si tu veux. Ah, t'as des bouts de fou à ses doigts. Là, tu l'ouvres comme ça. Là, tu mets ta salée. Des fois, tu peux aussi... Tu craches dedans. Comme ça. Là, je pense qu'il est prêt. Là, tu le poignes de même, puis là, tu...
tu le malaxes comme ça. Là, tu le tiens comme ça, puis là, là, un coup que t'es prêt, là, il y a une même. Il capote. Ah, le, ok, excusez. Là, après ça, quand il est prêt comme ça, tu prends ta figurine, tu prends Boba Fett, et tu l'envoies dans son dernier repos. Tu lui donnes un bec sur la bouche. Mais bon, je pense qu'il y a assez, là. Ok, fait que là, je mets le... Après ça, tu prends la figurine, là, tu la rentres dans le poulet. Tu sais qu'il y a un poulet qui est mort pour ça. C'est ça que j'allais dire. Là, tu rentres le poulet. Faut que tout rentre parce qu'il faut absolument... Puis là, après ça, tu prends les cuisses, là, tu les refermes. Mm-hmm. Tu refermes les cuisses, comme ça. T'es mort! Hey, pas de violence dans la maison du Seigneur. C'est pas de la... Ok. Puis là, comme ça, il est enfermé dans le poulet. Ouais. Et maintenant, toutes les mauvaises âmes sont coincées à l'intérieur du poulet. Donc, c'est un rite païen que je voulais vous présenter aujourd'hui. Fait que là, techniquement, t'as plus le goût de boire? Ben, je le sens déjà. Ah ouais? Ouais. Ben, ouais, je le sens déjà. Ouais. Puis là, je me sens déjà libéré de la plupart des monstres qui m'attaquaient. Je me sens libéré de toute conscience. Puis là, maintenant, ben, tu sais, j'ai mon poulet à moi. Tu pourrais te faire un pendentif avec? Ouais, tu penses? Ouais, je pourrais. Là, j'ai ma nouvelle chemise, j'aime mieux pas. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça. Là. Tiens, il est poigné, il est fait. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait à ma chronique de cette semaine. Good job! Merci beaucoup, Philippe. C'était un beau poulet. Pour, ben, ça fait plaisir. Ta démonstration de ta foi. Non, mais je veux dire, je crois en Dieu, là. Oui. Je crois en Dieu, là. Tout ce que j'ai fait ici, c'est au nom de Dieu, là. Dieu est un peu confus. Non, tout ce que j'ai fait ici, c'est au nom de Dieu, OK? Ouais, mais la vraie question, c'est est-ce que Dieu croit encore en toi? Après? Dieu croit en moi, il croit en cet hostie de poulet-là, puis il croit en Bart Vader, hostie. Il croit en tout ça. J'ai demandé, dans la nuit, il m'a dit oui. C'est correct. Alors, merci, Philippe. Merci. Non, mais voulez-vous, est-ce que... Marc-Olivier... Oui. Moi, cette semaine, en fait, c'est parce que... Je sais, il y a des hosties de langue sale qui vont dire... Les religieux, les catholiques, c'est juste des anciens toxicomanes, des pédophiles puis des gens faibles d'esprit. Mais laissez-moi vous dire non, puis pour m'appuyer, dans le fond, je vais vous sortir des exemples de born again Christian dans les... Ah, attendez, je connais, des gens qui sont admirables. Oui, des gens. Oui, ce serait important de revenir à quelque chose de plus respectable. Je vais juste aller me laver les mains. Okay, ben, la gloire du Seigneur n'est pas assez pour te protéger de la salmonelle? Ouais. Je dis ça de même. Donc, premièrement, on commence avec Dave Mustaine, le chanteur du fameux groupe Megadeth, qui est un guitariste hors pair, qui finit par devenir catholique et croyant. Il a aussi collaboré au premier album de Metallica, Kill 'Em All. Oui. C'est un album qui célèbre le christianisme. Ouais, ben le struggle que les chrétiens... on passe à travers l'Empire romain. Mm-hmm. Oui. Dans le Colisée, puis les lions. Exactement. Pour ça. Ouais. Comme commémoratif. Ouais, exactement. Puis ça, c'est avant d'être mis à porte à cause de problèmes d'héroïne. Puis il a trouvé Dieu par la suite. Mais ça, je pense que c'est juste une erreur de parcours, mais ça n'a pas nécessairement rapport. C'est pas parce qu'il était faible dans sa vie à ce moment-là qu'il s'est tourné vers la religion. Il était faible, mais il est devenu fort grâce à Dieu. Ben oui. C'est normal. Dieu a curé son âme. Oui. Ouais. Oui. Sinon, on a aussi le 43e président des États-Unis, soit George H.W. Bush. Oh, un homme admirable. Oui. George qui a déjà dit en entrevue, d'ailleurs, que Dieu était constamment avec lui, puis que ça l'aidait à prendre toutes ses décisions à la Maison-Blanche, que c'était la seule personne en qui il avait confiance. Puis en plus, on se le cachera pas, George savait faire le party en tabarnak. Oh, ce gars-là, il te strippait un bac de poudre avec son cul sur un est. Mon chum. Ça sent pas pantoute le soda. Là, hey, même, c'est du soda. C'est l'odeur du sucre. Chris, ton sac est même pas mouillé. Ben pis, la glace, ça fond pas. La glace est sacrée. Ben non, c'est un ice pack.
T'as un SPAC, les gars. Oh! T'as un SPAC, il est correct. Ça a du sens. OK, ouais. C'est correct. Mais non, fais-tu ça pas avec ça, là, gars. Je te le dis, Chris, boirais pas en cachette. Tu sais? OK. Alors, ouais, fait que beaucoup de respect pour les jeunes années de George W. Bush. Sinon, ça se rattraper, cet homme-là. Ah ouais. Écoute. Oh, Chris, oui. J'ai déjà vu battre une pute puis l'enterrer avec ses majordomes. Mais ça, c'était avant qu'il trouve Dieu. Ah non, ou non. Ou après, peu importe, il n'y a rien dans la Bible qui interdit ça. Non, ça, c'est pas grave, là. Tant que tu l'enterres correctement puis tu ramasses ses déchets, là. Pas tant que tu l'enterres en terre consacrée, comme que disait le curé. C'est vrai, ça. Sinon, les années 70, la voix de la génération, M. Bob Dylan, s'est autoproclamé Born Again Christian. Il a même sorti deux albums gospel, soit Saved et Slow Train Coming. Amen. Amen. Amen, amen les gars. Dylan. Donnez-lui un peu de courage, là. Un vrai. Un vrai chrétien. Il y a beaucoup de ces femmes d'enfants qui étaient horrifiées parce qu'il a fait un changement de vie. Là. Je comprends pas. Là, ils sont pas ouverts d'esprit ben, ce monde-là. Non, mais là, ça prêche. Pas comprendre que Jésus est la seule solution. Ça prêche la tolérance. Ouais, c'est des gens ignorants. Oui. Ah ouais, complètement. Écoute, ils se basent sur des choses. Ben oui. Ça va à l'université, ça prétend être ouvert d'esprit, ouvert aux cultures, mais non. Ben non, ça refuse la seule vraie vérité qui a été prouvée maintes et maintes fois. Ben oui. Ça arrive avec leur... être la bonne. Ben oui, ça arrive avec leur science, leurs hosties de cochonneries de même. Ben oui. Les États-Unis auraient jamais gagné au Vietnam puis en Irak si ça n'avait pas été avec Dieu. Ben oui. Non, c'est bien. Bon. Expliquez donc. Dans ma tête, à moi, 1 plus 1, ça égale Jésus. T'as pas tort. fait que dans le fond, plusieurs de ses fans étaient horrifiés par ça. Puis il y a même John Lennon qui a composé une chanson nommée Serve Yourself en réponse à la chanson évangélique de Bob intitulée You Gotta Serve Somebody. Oh! Par somebody, il voulait dire Dieu. Hein, ouais. En passant, pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas personne d'autre à servir que Dieu. Je pensais que c'était rendu un esclave. C'est pour ça tu sers Dieu ensuite. Ensuite de ça, si tu es un esclave, tu sers ton maître. Mais avant tout, tu sers Dieu. Mais ton maître devrait servir Dieu également. Sinon, on est tous les enfants de Dieu. C'est pour ça. OK, je comprends. On a aussi la star des débuts 2000, Moby, le DJ. Oh, Moby. Moby. Ça ne doit pas être à cause de la dope. Lui, là, si on avait le droit, là, je te mangerais le cul. Là. Comme j'ai une chance que c'est interdit. Je te watch, toi, là. Non, je ferais pas jamais ça, là. Non. La descente en enfer. Comment, les gars, je suis de votre bord, là. Phil, tu me sembles être au volant d'une Ferrari se précipitant en bas d'un ravin. C'est pas parce que j'ai fait un rite païen que j'ai ce gars-là. Est-ce que ton poulet, tu l'as béni avant de... Je l'ai... Tu t'es-tu lavé les mains avec l'eau bénite? Peux-tu continuer? Tu t'es-tu lavé les mains avec l'eau bénite? Non. Je sais. Mais quelle eau bénite? Je savais pas qu'on en avait, en fait. Ben oui. Ben là, Phil, tu penses? On a apporté une main, là. Check dans le bar. Le bain, il est consacré ici. OK, ben je pensais que c'était une bouteille de vodka. Mais tu regardes, là. OK, c'est... Non, mais nous, il est dans le bar. Je veux dire, le bar est rendu vide, là. J'ai tout jeté mes bouteilles. Anyway. Oui, OK. Une bouteille. Parce que c'est ça, c'est de l'eau bénite que tu as mis dans ton... Oui. Ben si tu ouvres le meuble, tu vas voir, il y a un contenant de 10 gallons, là. Ouais. C'est de l'eau bénite, ça. Ouais, 10 gallons. J'ai de l'eau bénite brune, blanc, puis. De l'eau bénite Troïka. C'est quand même. Ben, ils font tout à cette heure, là. C'est de l'eau bénite russe orthodoxe, là. Ils sont chrétiens, eux autres aussi. OK. Ouais, il y a l'eau bénite brune qui est plus sucrée aussi. Ah, OK. Ouais, okay. Pour les gens qui sont en hypoglycémie. Fait que Moby, blablabla, il a vendu plus de 20 millions d'albums grâce à l'aide de Dieu. Puis il dit avoir trouvé la foi en lisant le Nouveau Testament et il a été frappé par l'idée que le Christ pouvait être divin. Mm-hmm. Moi, je le savais déjà. Ben, tabarouette. Ouais, oui. Ça l'a frappé parce que personne n'y avait dit avant. C'est ça. C'est ça. Faut que tu es au courant. Une fois que tu es au courant, tu peux pas ne plus savoir. Non, c'est sûr. Que ça existe, tu sais. T'es-tu sûr? Oh, tu sais. Je peux pas oublier. La Terre, 6000 ans. Ça, je peux plus le savoir. Ben non, c'est sûr. Sinon, on a aussi Lawrence Turoad, qui est plus connu sous le nom de Mr. T. Oh! Oui, il s'est éloigné un grand homme. Mais ouais, il était petit, par exemple, Mr. T. Il était pas... T'es grand-parent dedans. OK. De l'intérieur, de la grandeur interne. Ouais. Tu veux dire. OK. Il était gros, par exemple, ouais, c'est ça. Dans le fond, Mr. T s'est éloigné de la religion durant l'adolescence, dans le fond. OK.
puis I guess une brebis peut-être égaré. Des problèmes de drogue, peut-être pas, mais il y a dû faire de la poudre, par exemple. Si on la considère comme étant une drogue à la base. Ben oui, mais tu sais, Chris, une année, tu peux pas avoir du fun, puis tu sais. Ça réveille. C'est tout ce que ça fait. Ouais. Hey, vous arrêtez donc de m'écœurer. Ça donne plus d'heures dans une journée pour célébrer la gloire de Dieu. Ben oui, tu peux boire plus. Un moment donné, c'est dur. Mais écoute, si tu fais de la poudre, tu peux aller avec genre 4 messes en une journée. J'ai été dans une messe où est-ce qu'on avait le droit d'amener notre cocaïne. Et laissez-moi vous dire que la chorale gospel, ça faisait aller en tabarnak. Oui. En maudine, je veux dire. Oh oui, 3 heures de show. Puis away. Ils l'ont fait 3 fois. Oh, il y avait des entraques à toutes les demi-heures. Ah, juste 5 minutes. Écoute. Ils fumaient le club, tu te fais une barre, puis on repart, mon cher. Ben oui. Les chanteuses, ils avaient assez chaud, ça s'essuyait les cuisses avec des lingettes. C'est cœur. Ouais, mais. Cheville, tu veux dire? Donc, c'est Mr. T qui s'est éloigné de la religion durant son adolescence, mais que Dieu l'en pardonne. Il est revenu à la raison en 1977 en se rebaptisant Christian Faith, ou foi chrétienne. C'est le surnom qu'il avait décidé de prendre. Ah, ben en plus, c'est le même nombre de... Ouais, c'est le même nom. Oui. Enfin, un move sensé. Là, il y a une affaire qui est ouverte, je vois plus. OK. Depuis, il continue à se donner corps et âme à notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, fun fact, Mr. T mange en tabarnak, ça a l'air. Puis il y a une rumeur qui circule qu'il traîne une sage-femme avec lui pour à chaque fois qu'il chie. Hein? Ouais. Il y a une madame qui. Ouais, une madame qui l'aide à chier, parce que sinon, il fend jusqu'au gosse. Fait qu'il faut qu'elle masse. Ah, il masse le trou de cul. Ouais. Trop des gros morceaux. Ben, voyons donc. Je te dis. Il mange beaucoup, Mr. T. Il mange en tabarnak. Faut qu'il mange quand même. Écoute, il est pas sur Terre pour niaiser, puis pas célébrer tous les bons petits fruits, puis les animaux que Dieu a mis ici pour nous autres. Il faut qu'il chie de la brique. Pas à côté de ça. Ben oui, les beaux petits fruits que tu mets dans une cuillère avec du carbonate de soude. Là, puis... Ça, c'est la cocaïne remis à neuf. Oh Dieu. C'est la coke pimpée pour ceux qui ont plus de problèmes que moi. Là. Oh. La cocaïne pimpée pour l'amour de Dieu. Ouais. Amen. Pour l'amour de Dieu. Puis en finissant, il y a aussi moi qui est rendu un born again Christian. Ooh. Ah, maintenant. Oh. Ah, mais, bravo, une bonne main d'applaudissement. Maintenant, j'écoute et j'obéis la conversion. À Dieu. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, tu sais, je veux dire, je bois de l'alcool, fais de la poudre, fais du vin. Mais un toxicomane, jamais de la vie. OK. Jamais de la vie. OK, OK. Mais là, tu bois plus, là, je veux dire. Ben là, non. J'ai arrêté tout ça, là. Non, non, là, je bois plus, là. Parce qu'on s'était dit, on boit plus, là. Non, je sais, Phil, qu'on se l'ait dit. On s'était dit, à la base, on boit plus, là, personne. Je sais, j'étais là quand tu l'as dit. Ben oui. T'es sûr, là. On boit plus. OK, non, c'est correct. Ah non. Pas de trouble. Non, on boit plus. Non, c'est correct. Boiton, c'est ça? Quoi, mon sac? Sirop pour la c'est correct. Non, mais tu veux un sac? J'en veux pas, c'est correct. Pas besoin de sac, Asti. Ouais, pourquoi j'ai besoin de sac? Je sais pas, pourquoi t'aurais besoin de sac? Je te la demande. Ben, je sais pas, moi, pourquoi. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton sac, Phil? Je mettrais rien pantoute. D'autres outils à vaudou? Hey! Lâchez-moi avec le vaudou, là. Hein? J'ai essayé ça une fois. J'ai fait une folie de jeunesse. Ouais. Tu as le droit de faire des astis de conneries des fois? Je sais pas, faut que tu t'excuses. Oui, t'excuses à Dieu. Je m'excuse. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ben, ça fait beaucoup plaisir. Hey, merci beaucoup. Pour ta volonté à Dieu de pouvoir démontrer. Non, pas toi. Bienvenue. Pourquoi pas moi? Non. Écoute, Phil. OK, parce que lui, il a fait son assise à faire de vaudou. Chris, il peut être nous autres, les gars. On l'a dit tantôt. Non, Phil, de quoi tu parles? Phil, il est pas irrécupérable. Tantôt, Phil. Chris, brûle-toi une gosse. Hey, moi, là. Ah, je suis pas considéré. Bon, allez, je pissais, là, puis je reviens dans 2 secondes. Gars, si tu veux nous montrer ta foi, il faudra que tu te brûles une testicule avec la flamme qui est là. Ben oui, on va faire ça. Bye. On va faire ça, moi, chum. À la prochaine, Phil. Check mon bain. Bon. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Phil est parti. Ben, écoute, ça fait super plaisir. J'aimerais prendre votre temps pour vous parler d'un petit... un homme. Maintenant défunt. Je peux-tu prendre 30 secondes pendant que je pense? Oui. Juste saluer nos chums du podcast du bruit à mes oreilles qui nous ont fait une belle plug. Puis je voulais vous en faire une. Fait que, allez écouter le podcast du bruit à mes oreilles. C'est un podcast qui font des critiques musicales. Puis c'est super bon en fait. Si vous êtes des mélomanes ou whatever, allez écouter ça. Puis c'est ça. Ouais, ils commencent cet épisode-ci avec une critique de l'album Gospel de Katy Perry. C'est pas correct, Gospel c'est correct. C'est bon. Ben là, le gospel, c'est le... Non, ça fait du sens! OK, excuse-moi, Matt. C'est quoi, tu veux pas refaire partie de la religion, finalement? Tu brûles les... Non, mais ça, c'était pour son... C'est à moi les chandelles. C'est vrai, c'est à toi les chandelles. Bon. Mathieu. Mathieu. Ouais,
Oui. Est-ce que vous aviez quelque chose pour nous, notre Est-ce que vous connaissez le programmeur Terry Davis? Nope. Non. Terry Davis, en fait, c'est un programmeur... C'est un chrétien? Oui, oui, oui. Okay. Un bon chrétien, en fait. Ah, c'est, okay. Son nom, c'est Terry Davis. J'ai pas les références là avec moi en ce moment, mais... Tant que c'est pas un esti du juif. Il a programmé... Ils ont tué le Christ, ces maudits-là. Ils ont tué Jésus. Ils l'ont mis ça à quoi? Et ouais, l'autre jour, j'arrive pour acheter du papier d'aluminium. Il était cachère. C'était le tabarnak. Je l'ai crucifié. Ce gage qui a coûté 4-5 fois plus cher? Sûrement, ouais. Oh! Facile. Oh! Il a programmé, en fait, il a programmé un système d'exploitation complètement fait pour Dieu. Oh! Mais ouais, c'est magnifique. Avec la voix de Dieu, il disait quoi faire. Il programmait le système d'exploitation qui s'appelait Temple OS. Il est tombé chanceux. Dieu, il parle. Ouais, ah. Ouais tu lui parlais. J'aimerais ça, moi, avec. Hey, le nombre d'esclaves qu'on a tués à faire des pyramides pour pouvoir envoyer nos âmes dans le ciel. Si lui, il peut y aller avec un bouton. Fait, dans le fond, j'aimerais juste avoir un petit moment de silence pour Terry Davis, qui était un vrai chrétien. Ah, oh, il est mort? Ouais, décédé. Oh. Ah. Ça fait combien de temps? Dieu est son âme. Ouais, Dieu est son âme. Mais Dieu a clairement son âme, Phil. On devrait faire une prière. Le 11 août dernier. C'est vraiment triste. Peux-tu arrêter de roter quand tu dis que c'est vraiment triste, le décès de quelqu'un? Ça tue le but de ton affaire? Ben là, c'est ça que ça fait quand je suis triste. Excuse-moi, Matt, continue. Bon, on va prendre notre minute de silence, toi. Ouais. Minute de silence. Minute de silence? Ah, OK. Pour... Okay. Ok, c'est loin. Solide épisode, guys. Bon, ben, vous pouvez voir arrêter de faire des astuces de bruit de fourrage. Hein? Moi, les enfants, ils Je fais ce que je veux. Hey! Je suis un adulte. C'est correct. Je suis un homme à master. Je pourrais te tuer. Je peux t'amarrir. C'est quand même weird. C'est weird ce que tu dis. C'est pas weird. C'est weird. J'ai pas de problème. Arrêtez de vous astiner, les gars. Yes, c'est de vous excommunier. Il teste encore le gay. Il teste encore la poche. Je l'ai dit, je t'ai pas gay. Il reste à 5 secondes, calice. Chut, c'est bon, on recommence. Merci beaucoup pour votre moment de silence pour Terry Davis. Merci Terry pour tout Terry Davis. À partir de maintenant, je vais juste utiliser Temple OS. Est-ce que ça fonctionne bien comme système d'exploitation? C'est ça. Ouais, ça. Non, ben c'est ça fait cracher ton le gars, c'est un génie pour elle en programmation. Là. Il a vraiment tout fait son code de programmation, son langage, puis ouais, il était un peu craqué. Ouais, ah ouais? Okay. Mais il est décédé. Puis j'ai créé ses vidéos YouTube, sont assez entertainment. Et, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui parle à Dieu en direct? Je crois que oui. Je crois que si on regarde ses vidéos, on peut être. Merci Terry pour ton C. Alors, j'aimerais aussi profiter de ce moment pour pouvoir faire une tournée de la table. De shot? Pour... Ouais? Wow! De shot d'eau bénite. De chaud. Ah oui, de chaud. Hein? De chaleur? Non, parce non, que de moi, show, je suis chaud en dedans de Jésus. Non, je pensais chaud spectacle. Je pensais qu'il allait nous donner des billets de spectacle. Ah! OK. Ben oui. Joel Osteen. Kansas. Puis Kansas. Des shows, hein? Ben oui, des shows. Ben oui, des spectacles. Ben oui. Non, excuse-moi, Matt. On n'ira pas en Louisiane parce qu'on sait bien ce que Phil ferait si on allait là-bas. Je sais pas. Peut-être Monsieur que je mettrais, mettrais peut-être mes fruits dans des sacs en papier. Je sais pas. Peut-être. Hein? Non, moi, le Chris décroche. Là. Chris, t'as jamais vu une bouteille d'un sac en papier, toi? Oui. Puis c'était tout, malheureusement, des personnes sans maison dans la rue. Ben oui, mais Chris... C'est parce qu'ils veulent pas. C'est frais pour les mains, cette petite cochonnerie-là. Là. Ça réchauffe les mains. Ben oui, OK. Ça, OK. Bon, OK. Bravo à celui qui a inventé ce petit sac. Puis une main gelée. Merci. Peux-tu continuer, là, oui, s'il vous plaît? J'aimerais passer un moment pour pouvoir se confesser. Confesser. Ah, ouais. OK. Parfait. Okay, parfait. On se confesse. On se confesse. Fait que je vais commencer. OK. Tu vas commencer? Parfait. Vas-y. Parfait. Mercredi, 14 octobre, journée d'automne. Je me promenais dans la rue avec mon chien, Gandalf. Il m'a regardé avec ses tout petits yeux. Ton chien s'appelle... Excuse-moi. Il m'a regardé avec ses petits yeux mesquins. Papa. Papa. Ton chien t'appelle papa? Il se parlait. Papa.
Pourquoi m'appelles-tu papa? Ce chien sortait une seringue de sa main. Non. Quoi? Il m'a regardé dans ses tout petits yeux. Papa. Papa. Peux-tu me promener moins souvent, papa? Et il partait à l'horizon, courant des milliers de kilomètres. Là, t'as perdu ton chien? Puis ton père? Le chien, c'est papa. Le chien, c'est papa. Ah, le chien, c'est papa. Et je me construis une tombe faite pour les enfants. Oh. Merci Mathieu. Merci Mathieu pour ce témoignage absolument Amen. Foudroyant. Et... Amen. Alors, à ton tour, Marc-Olivier. OK, j'étais chez mon ami Matt Blain. Il y avait beaucoup de monde. Puis là, j'avais fait un peu de moche avant d'arriver, puis j'étais chaud. Puis là, il y a du monde qui sont arrivés. Il y a quelqu'un qui arrivait, veux-tu une petite traque? J'ai fait oui. Puis là, finalement, on était gelé en crise. Si on a ri, là. Ouais. C'était vraiment fun. Nice. C'était vraiment une belle journée. Ouais. Mais faut juste pas le refaire. Là. Ouais, faudrait que tu refasses ça, mais genre. C'est le but, c'est le jamais. Non, mais de toute façon, c'est tough à trouver du moche. Fait que... Ah, OK. Ouais, pas de stress. Okay. C'est quand même 25% du problème d'éliminer. Hein. Ben oui. Okay, oui. Mais là, c'est une règle naturelle, le moche. Là. Moi, je trouve ça bien. C'est pour ça que j'ai dit 25. Ah, ouais, c'est comme l'autre fois. T'es chez un chalet, que t'es comme attends, moi, il va gourou, il me tentait pas partout. J'étais chaud, je voulais tomber à terre. J'ai dit, non, je suis chaud, je viens de tomber à terre. Puis là, ben, de fun. OK. OK, ben. Moi, je vais y aller à mon tour. Moi, c'est pas aussi intense que l'expérience de Marco. Moi, en fait, j'ai eu deux expériences. Premièrement, j'ai fait l'épicerie lundi. OK. Puis j'étais dans l'allée des fruits et légumes. Ouais. Puis je regardais les poivrons. Il y avait des poivrons rouges. Ouais. Puis ils étaient pas tellement beaux, les poivrons. Je regardais. J'essayais de trouver un beau poivron pour pouvoir l'acheter. Puis à un moment donné, j'ai échappé un des poivrons par terre. Puis, OK. À la place de, genre, le prendre, puis de l'acheter, puis comme de le manger moi-même, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans le rack. Tabarnak! Oh. Je m'excuse. OK, là, va falloir que tu suces Matt pour te faire pardonner. Ouais. Matt, c'est l'image du prêtre. Il va falloir que tu suces. Mais là, peut-être pas écoutez, de suite. Écoutez. Hey, de suite. Non. OK. Le deuxième truc, justement, parlant de ça, c'est que plus tard dans la journée, c'est quand même beaucoup moins grave, mais j'étais allé au Mado, là. Oh non! Là, il y avait plein de drag queens. Puis là, écoute, on avait du fun, là. Je buvais de l'eau pétillante, j'étais tout excité. Fait que, un moment donné, je me fais amener dans les toilettes par quelqu'un que je pensais que c'était une fille. Il y avait les cheveux longs puis du maquillage. Ouais, puis là, il monte son pénis, puis moi, il fou sur le party. Ben, comme pénis de fille, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Je suis il a des cheveux longs, puis du maquillage. On sait jamais. Fait que là, je l'ai mis dans ma bouche, puis c'était vraiment bon. Puis ça me rappelait mon petite enfance. Ils sont durs à curer de mon village. Ils sont rendus qu'ils s'habillent en fille. C'est du tabarnak. Mais justement, ma question, c'est est-ce que ça comptait ou est-ce que c'est correct? Ben, mais ça c'est que chaque PC est pardonné. Moi, je sentais Dieu en moi. Je me rappelais juste le curé de mon village. C'est correct. Attends. Est-ce que tu le regardais dans les yeux pendant que tu suçais? Non, je regardais le gros tatou de croix qu'il y avait juste au-dessus. Ah, mais c'est tu penses son pubis. Est-ce qu'il est venu dans ta bouche? Non, il est venu sur mon front. Ah, OK. Est-ce que tu fais une croix? Je pense que ça compte pas. En tout cas, moi, c'est tout le temps les règles que je me suis avec le chum que je connais. Il se met, là, genre... OK, d'accord. Tu me rassures dans ce cas-là. Ouais, non, c'est pas... Ah, merci, ça fait tellement du bien d'avoir partagé ça. Merci pour ouais. Je me sens tellement léger maintenant. Pardonné. Non, c'est que c'est... Merci. Je reçois un fax de Dieu. Marco, Justin, pardonné. Oh, yes! Alors, c'est à toi. Qui pardonné okay, là, que j'ai hâte parce que ça fait longtemps que ça traîne, là, ça, puis... C'est un peu dur à parler, quand même. Mm-hmm. J'étais avec ma grand-mère, on magasinait des chaises roulantes. OK. Puis, un moment donné, j'avais envie de me masturber. Sur grand-mère? Non, juste comme ça, dans mes pantalons. J'ai commencé à me masturber. Comment, genre avec la paume de ta main comme ça? Je frottais le bout comme un gros clitoris. Ça n'arrête pas?
Ben un peu, mais j'étais jeune. C'est pas des culottes d'habitude, non. C'était en commando. OK, là, c'est parce que c'est mon tour de... Mais ça m'intéresse. Je vais t'aider. C'est correct, OK. Puis que là, c'est ça, là, je suis dans la rangée, puis là, je me masturbe, tu sais. Puis là, il y a un autre petit gars qui passe. Puis je me rends compte que lui, avec, il se masturbe. Oh, Chris. Fait que là, une matinée, on se regarde, puis on a décidé ensemble que se masturber, c'était plus assez. Fait que... Phil. On a Philippe Lalonde. On a procédé à déshabiller ma grand-mère. On l'a enduit de crème pour les arthrites. Et dans une espèce de cri sourd qu'elle faisait, ben on l'a fourré en dessous des boules. Avec la lotion. On a fait chacun une boule. Puis on fourrait chacun notre boule. Fait que dans le fond, on va être bien cette chose au milieu. Ouais. Tu es venu sur une glace, là? Non. J'ai le garde de sécurité qui est arrivé. On a laissé ma grand-mère là, puis on est parti en courant. Puis tu l'as survu depuis? Non, je me suis enfui au Kansas. OK. Est-ce qu'elle est morte à cette heure? Je sais pas. Je pense que Marco essaie de te l'annoncer. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu ça aussi en même temps. La grand-mère est morte, ça fait 10-15 ans. Ah, OK. Ça fait à peu près le timing. Ben, c'est drôle, mais ça me fait sentir mieux un peu. Ben ouais. Ouais. Moi, Chris, elle n'a pas parlé à personne. Au moins, il n'y a pas personne qui va le savoir. OK, parfait. C'est important. Parce que depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois une fille, je lui demande de la fourrer en dessous des boules. Ben ça, c'est un classique. Là. Est-ce que ça te rappelle la fois où ton pénis touche un autre pénis? Ouais, non. Je mets mon pouce. C'était bien mieux de dire non parce que tabarnak, okay. Que tu t'en allais en enfer. Ouais, ben là, ça, c'est ben, Dieu qui va en décider, OK? Non, hein, c'est Dieu qui en décide. Dieu décide de tout. Dieu décide. Matt, hey, je trouve que ta mémoire est courte, monsieur. J'ai juste une graine de trans, là. Ouais. Hey, c'est vrai, hein, le petit tapette. Hein? Tapette. J'ai juste les voisins en haut, c'est comme Chris, c'est homophobe en estime. Cet individu-là s'identifiait comme une femme, OK? Fait que sucer sa graine, c'était pas. OK, c'était son pénis de femme. Oui. Ah, okay. Oh, t'as sucé son pénis de femme. Okay. Oui, exactement. Le pénis humain. C'est correct de bord. Sont durs à différencier entre le pénis de l'homme et le pénis de la fille. C'est sûr. Ben, c'est des fois, quand tu regardes vite, c'est dur de voir la différence, mais au goût, c'est pas pantoute la même chose. Ah, mais merci. C'est moins acide, j'imagine, un pénis. Ouais. Ben, ça dépend. Parce que les filles mangent plus de fruits en général. Merci, Phil. Ah, ça fait plaisir. Je vais demander à confirmation de Dieu pour savoir si t'es pardonné. OK. Non. C'est un choix difficile. Dieu, il est pas sûr. Ah, Dieu, es-tu choqué un peu? Un petit peu, oui. Ah. Dieu vient de frapper un mur. Ah. Dieu, il s'est cogné le bat sur la porte. Dieu essaie de... Dieu veut rester... Dieu est en contact avec moi en ce moment. Il peut... Oh non. Mon Dieu. Faut tuer Phil! Pardonnez. Oh, merci. Oh, Jésus! Yes, Jésus! Hey Matt, peux-tu me le dire quand on tire à la fin là, ou pas loin? Dis-moi-les parce que j'ai une annonce à faire, OK? Je crois que c'est bientôt la fin. L'énergie de Dieu. Ah non, mais t'as pas rien confessé, toi, Matt? T'as rien confessé? Oh, il l'a fait. J'ai pas fini. J'aimerais confesser... Remets donc ton pop-filter avant, là, ça va moissonner le cul. Que la table que j'ai confessé la dernière fois m'a pardonné. Hein? Jésus. Gloire à Dieu. Oui, ben, je suis content, mais je voulais juste faire une annonce parce qu'on a un intrus parmi nous depuis le début du podcast. Quoi? Oui, une personne qui a franchi les limites qu'on s'est données. Quoi? Qui n'a pas su respecter les limites. Donc, Marco... J'aimerais bien que tu me dises c'est quoi ça. Une bouteille de Corona. Ben oui, c'était Jasmine. Attends une minute. C'était Jasmine. Juste essayer de quoi. Juste... Non, c'est mon reste. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est mon... Donne-moi ça. C'est mon sac. Donne-moi ça. C'est mon. Oh ben tabarnak. Et là, Chris, une Miller's High Life. Oh ben là, tabarnak. C'est ça qu'il y avait dans ton sac depuis tant. Ben là, Chris, voyons. J'ai monsieur, bu ça. T'as bu ça. Je sais pas. T'as bu ça, mon esti. Ok, c'est parce que je suis sûr. Tu sais ce que je vais faire? Tu vois-tu ta crise de Corona? Check bien ce que tu.
Tu me forces à faire, mon tabarnak. Fais-le, Phil. Tiens. Fais-le. Tu vois, c'est quoi, Steve? Tu t'es plugué ton micro, Phil. Fais-moi ça un autre, Steve. Tu vois, c'est quoi? C'est pour ton bien, Marco. C'est pour ton bien, Phil. Beau, cale, cette voix-là. Il cale ça pour toi. Tiens, mon Steve, chien. Va chier. Je le savais tout le long que c'est de la bière. Mais c'est juste de la 4,6%. C'est comme sans alcool, quasiment. Écoute, sans Dieu. Alcool, j'assens, moi. Là, je m'en viens chaud, puis je m'en viens un petit peu excité. Ben ouais. On colle le gars, quoi. Fait que là, tu vas... Fait que là, c'est... Ben là, crissez-les dehors, quelque chose, hein, c'est-tu? Ben non, mais chez nous, parce que Dieu de l'Église orthodoxe en Russie dit qu'en bas de 12%, c'est pas une boisson alcoolisée. Fait que je sais pas trop quoi faire en ce moment. Ah, pour vrai? Pour vrai? Fait que Chris, j'ai pas eu ce petit sac-là pour rien. Je pense que oui, mais ça, tu me sens mal. Je me sens mal. OK, mais si tu pognes du 40%, tu le dilues, c'est quand même en bas de 14%. Ouais, un whisky puis de l'eau, c'est correct. Hey, c'était vraiment over the top, ce que je viens de faire. Je suis vraiment désolé. C'était... Ben, on... cale là, mon chum. Absolument. Ah ouais, on peut en caler. Bon, ben, cheers. Ouais, cheers, les boys. Ouais, c'est bon. À Jésus, tabarnak. À Jésus. Soulez-vous, puis haïssez les gens qui vous ressemblent pas, hein? Ah ouais. Parce que c'est ce que Dieu aurait voulu. Jésus est bon. Jésus est avec nous. Amen. 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 Bon, on va aller fourrer des petits gars, moi. OK. OK. Bon, ben. Merci.